Yo les gars, c'est Rizzo, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui c'est le vlog numéro 2. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. On va aller voir un match de foot qui se retrouve à 300 mètres de nous. C'est la JOCR qui rencontre Dunkerque, une rencontre très très importante. Je vous dis à tout de suite. Du coup avec Alban, supporter de la JA et très fidèle. Bonjour Alban. Bonjour Rina. Donc du coup ça fait combien de temps que tu supportes la JA? Donc ça va faire environ 6-7 années. J'ai commencé en 2015 où j'ai acheté ma première carte abonnement qui me permet d'aller voir tous les matchs à Auxerre, au Stade Abbé Deschamps. Ça marche. Du coup, aujourd'hui, la GIA qui rencontre Dunkerque, une rencontre très importante pour le club. Que penses-tu de ce match? Je pense que non, normalement tout devrait bien se passer par rapport à l'équipe qu'on affronte. Bon, forcément le football c'est le football, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, il va falloir prendre ce match comme les autres et on sait nos qualités et puis normalement tout devrait bien se passer. La JOCR qui est actuellement 3ème du championnat, ils font une très très grosse saison. Oui exact, on est 3ème, donc la montée en Ligue 1 est très faisable, on est à seulement 3 points du 2ème, donc vraiment la montée n'est rien. N'empêche, si on n'arrive pas à prendre la 2ème place, il y aura les barrages, les playoffs, donc on a toujours une option de monter en Ligue 1. Ça marche. Et dernière question, ton score pour le match? Je vois bien un petit 3-1. Les buteurs? Doublé Charbot, but Gocho. Et bien on verra ce soir. Merci. Bonjour. Du coup avec Yann et Ludovic, supporters de la JOCR. Du coup ça fait combien de temps que vous supportez le club? Moi depuis l'âge de 5 ans. Là j'ai dans la 39 ans. Un peu moins longtemps, vu que je ne suis pas d'ici de base. D'accord. Que pensez-vous de la saison actuelle de la JOCR? Très bonne saison, en espérant qu'on va monter. Je pense que la saison aurait pu se passer mieux, avec quelques points perdus sur la route. Mais non, je pense qu'ils sont déjà à leur place aujourd'hui. Et je pense qu'avec un bon niveau de Ligue 1, on pourrait voir la montée. D'accord. Votre meilleur souvenir de Stade Abbé Deschamps? Moi ça doit être aux alentours des années 2000, j'étais encore tout jeune. Vous vous souvenez de la rencontre? Pas du tout, c'est juste que Jérusalem avait marqué un superbe but, c'est le seul souvenir que je me souviens. Et pour vous? Moi le souvenir, désolé, je n'avais pas été pour la Ligue des Champions parce que moi j'avais pas le moyen de le voir. Pas de soucis. Mais sinon le plus beau souvenir c'est contre Saint-Etienne 3-0, la Coupe de France. Et du coup, la GIA qui rencontre Dunkerque, le score pour vous? Moi, 3-0 mon pote. Et vos buteurs? Savonier, un but de Gauthier, et puis Saki. Moi, j'étais parti sur le même score, mais pas pour Saki. J'aurais plus pensé à Alexis Trouillet. Je pense qu'il pourra faire bien plus la différence que Saki. Ouais. Ça marche. Et ben, merci Ludovic, merci Yann. Merci. Bon match, merci beaucoup. Aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour Marceau. Bonjour. Du coup, ça fait combien de temps que tu supportes la GIA? Moi, ça fait plus de 8 ans, quand Auxerre était en Coupe de France. Ton meilleur souvenir au Stade Abbé Deschamps? Voilà, le 30 ans d'Auxerre, il y avait les gros tifos et tout, cette saison. Tu mets l'ambiance au stade? Ça va? Du coup, la GIA qui rencontre Dunkerque, aujourd'hui une rencontre très très importante pour le club. Ouais. Que penses-tu de la saison actuelle de la JOCR? Là, on fait une bonne saison par rapport aux dernières, quand on faisait les barrages pour descendre en National. Là, en plus, on a des bons joueurs et tout. Et pour terminer, la question du jour, le score du match? 2-0 pour Auxerre. Les buteurs? Charbon et Alves. Ok, ça marche, merci. Tu seras quoi? Tu seras grand? Moi, quand je serai grand, je ferai toutes les voitures.
victoire de la JOCR qui se classe actuellement deuxième du championnat. C'était un match très difficile. Ça s'est prononcé à la fin du match. J'espère que ce petit vlog à Auxerre vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à laisser un petit commentaire, à activer la cloche. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!